Courte Paille existe depuis 1961. Nous sommes la première chaîne de restauration en France. Elle a été fondée par Jean Loisier, dans le centre de la France. Ce restaurant était destiné à la clientèle de passage. Elle a un concept innovant pour l'époque, puisque tout se faisait sur le grill. Et c'est ce concept que nous avons fait évoluer au cours du temps. Courte Paille, c'est un peu notre Madeleine de Proust. Nous sommes tous allés chez Courte Paille un jour en partant en vacances. Mais c'est aussi des étapes importantes pour les gens qui travaillent. Un moment de confort, de restauration, un moment gourmand. Nous avons commencé la franchise en 1977. Nous savons ce qu'attend un futur franchisé qui veut s'adosser à une marque importante et à tout son savoir-faire. Et nous sommes aussi en attente de l'expérience d'un entrepreneur indépendant avec une forte intégration locale. Courte Paille assure évidemment la formation. Tous nos franchisés ne sont pas des restaurateurs de métier, mais ils le deviennent. Ensuite, nous avons un soutien à l'installation, à l'implantation, au choix de l'emplacement, même à la construction du bâtiment. Nous apportons aussi, évidemment, toute une formation opérationnelle, une formation en ressources humaines, et nous assurons enfin le marketing national, le marketing local, lui étant la source même de l'apport du franchisé. Le marketing national de Courte Paille, il est basé sur la qualité de nos produits. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité des produits que nous servons à chacun de nos clients. Et du service rapide, agréable, courtois. Nous sommes très proches de nos clients. Nous dialoguons beaucoup avec eux, par le marketing digital, par le marketing direct, mais aussi par des questionnaires en restaurant. Nous cherchons aussi, par un marketing prospectif, à aller chercher une nouvelle clientèle. Plus jeune, nous nous appuyons sur le lancement de gamme de nouveaux produits. Nous venons de lancer une gamme de hamburgers. L'année prochaine, nous lancerons une nouvelle gamme de salades et de desserts. Nous allons aussi développer de nouveaux services. D'ici la fin de l'année, tous nos restaurants seront équipés de Wi-Fi et nous allons mettre un nouveau design extérieur et intérieur dans nos restaurants. Nous assurerons à nos franchisés l'ouverture de plusieurs restaurants dans le temps, dans le même secteur, dans le même marché, ce qui lui permettra de développer sa propre entreprise individuelle au cœur de la marque. Dans les prochaines années, nous allons ouvrir 150 nouveaux restaurants en France, sous différents formats. Le format traditionnel, la maison ronde, pour des zones de chalandise d'environ 50 000 habitants, mais aussi sous la forme du comptoir Courte Paille. Ce comptoir, c'est l'essentiel de Courte Paille. Il s'articule bien évidemment autour du grill, mais aussi d'un buffet d'entrée et d'un buffet de dessert. C'est un concept idéal pour nos clients, pour nos franchisés hôteliers, et concessionnaires de restauration d'autoroute, de food court, de gare ou d'aéroport. Ce format, il sera sans doute l'avenir de Courte Paille et le retour de Courte Paille dans les centres-villes. Notre savoir-faire, la marque Courte Paille et le renom de la restauration française vont nous permettre d'aller exporter la marque. Nous avons en projet d'ouvrir dans 4 à 5 pays dans les 5 prochaines années.